Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du 13 au 19 mars prochain. J'espère que vous allez bien. Nous allons voir la tendance générale avec l'oracle Les Clés du Destin et ensuite avec l'oracle de la voix cosmique. Ensuite, j'effectuerai les messages pour les signes de feu, de terre, d'air et d'eau. Comme vous le savez, ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation, de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Allez, c'est parti, nous allons voir notre tendance générale pour cette semaine du 13 au 19 mars. Alors, j'espère que vous allez bien. On sent les prémices du printemps. Alors, on peut se sentir un petit peu déconnecté et en même temps, on a envie que les choses bougent ou s'accélèrent. Donc, on sent que voilà, c'est la fin de l'hiver et en même temps, et que le printemps arrive très bientôt, à nouveau, je vais dire à nouveau. Bon, lapsus révélateur. J'aime beaucoup ces cartes parce que c'est très fleuri, hein, vous voyez. Moi aussi, j'ai hâte que le printemps arrive. Alors, nous avons anticipation, prépare-toi. On nous demande de nous organiser durant cette semaine. Ok. Et ensuite, impasse. D'accord. Alors, peut-être pour éviter une impasse, justement, ou anticiper des éventualités, on va dire, par rapport à un dossier administratif, par rapport à un projet, à quelque chose que l'on souhaite mettre en place. Et là, on vous demande effectivement d'anticiper, de prévoir, je dirais, tous les aléas éventuels, sachant qu'on ne peut pas tout contrôler, bien entendu. Mais moi, j'ai l'impression qu'on nous avertit durant cette semaine que si on ne veut pas se retrouver au pied du mur, il va falloir s'organiser. Alors, peut-être que aussi c'est un planning à mettre en place parce que vous savez que vous allez être fortement sollicité ou pour anticiper une sollicitation assez importante dans les jours à venir ou durant cette semaine ou la semaine d'après. On va voir avec l'oracle de la voix cosmique, justement, les autres énergies qui nous accompagnent pour cette semaine. Donc, organisation, planification pour cette semaine. Bon, d'accord, on est averti. Allez, du 13 au 19 mars. Et nous avons nourriture, d'accord. Alors, ça me fait penser, alors, d'une certaine manière, se nourrir sainement, garder la forme, la vitalité. Donc, c'est un petit peu comme cette carte d'anticipation, c'est-à-dire se préparer pour garder une certaine énergie parce qu'on sait qu'ensuite les choses vont s'accélérer puisque je vous parlais juste avant qu'on a envie que les choses s'accélèrent mais qu'en même temps on peut se sentir un peu déconnecté. Donc là, j'ai l'impression qu'on a des énergies qui nous demandent à être vraiment ancrées, réalistes par rapport à nos vies, nos situations respectives parce que j'ai la sensation que ça va bouger ou bien ne pas se retrouver dans une situation où justement on n'a pas anticipé que là du coup on est pris de court. Et puis on a multivers. Alors elle est intéressante cette carte parce que on a le mot multi, en plus c'est le numéro 33 pour moi, c'est un chiffre maître, hein, vous le savez, enfin je suppose que la majorité d'entre vous connaissent les chiffres maîtres. J'ai cette sensation-là, je vous parlais aussi de connexion, qu'on peut sentir déconnecté, mais en même temps il y a quelque chose au fond de vous qui cherche peut-être à parler, à se manifester, mais vous ne savez pas trop où, quand et comment, parce qu'on a quand même l'énergie lunaire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cherche à s'extérioriser, mais on n'a pas, c'est pas clair encore dans notre tête, hein. Moi, j'ai plus cette sensation-là. Alors bon, ouais, c'est le ressenti que j'ai. Donc, j'ai l'impression que cette semaine, on nous invite vraiment à avoir une routine de vie au quotidien, assez cadré, assez structuré pour se préparer à des éventualités. Alors, ça peut être des choses positives, attention, hein, mais comme des choses un petit peu moins plaisantes. Pour moi, c'est une semaine de préparation. Et oui, du 13 au 19, la semaine d'après, on arrive sur le printemps. Donc, il y a cette notion-là, c'est prépare-toi parce qu'il va y avoir du changement par la suite, ça va bouger. Donc, si tu veux pas être pris dans les méandres d'un tourbillon, alors soit d'opportunités ou d'événements qui font que, et ben là, on nous invite vraiment aussi à être aligné, hein, donc
comme je le dis toujours, hein, garder la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre, parce que bah, c'est en fonction de chacun d'entre nous et de notre situation. Voilà ce que je pouvais en dire pour la tendance générale et je vais passer au signe de feu. Coucou les signes de feu, nous allons voir vos messages de la semaine du 13 au 19 mars en complément de la tendance générale, donc pour les béliers, lions et sagittaires. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop déconnectés ou trop dans l'impatience que la saison du renouveau arrive. Donc on va avoir votre affirmation de la semaine qui a sauté. Bon, je vois les choses exactement telles qu'elles sont. Elle est reliée à la succulite. Alors, je ne sais plus si j'ai dit la 3DP. Je suis un peu déconnectée. Hein. Alors, effectivement, comme je disais, en tendance générale, hein, on peut se sentir un petit peu déconnecté et ne pas être en phase avec la réalité. C'est-à-dire qu'il y a une certaine forme de réalisme hein, qu'on nous invite à avoir durant cette semaine. Et la 3DP hein, nous parle aussi de blessures, de tristesse. Et là, il s'agit peut-être de relativiser soit dans un domaine relationnel ou un domaine autre où vous avez été impacté de manière négative et essayer de prendre du recul par rapport à cela. Et en même temps, d'être réaliste et factuel dans ce que vous entreprenez ou ce que vous allez entreprendre durant cette semaine. Ouais, derrière, on a l'empereur. Donc, c'est intéressant parce que ça me fait penser à la tendance générale. On nous invite d'avoir une certaine structure, d'anticiper les choses, de s'organiser. Donc, les signes de feu, il est important durant cette semaine que vous soyez organisé. Peut-être pour éviter justement que des douleurs apparaissent. Alors, douleurs psychiques, hein, je parle. Ou bien qu'on vous blesse, hein, j'ai cette notion de défense, de préparer un plan, peut-être un plan d'attaque, bien entendu, pour pouvoir se défendre au mieux. Pardon, à vous de voir, hein. Par exemple, je prends l'exemple de la justice. Bon, vous savez que vous avez rendez-vous tel jour durant cette semaine. Faites bien le point avec votre avocat pour que la situation tourne à votre avantage, que voilà, que le jugement soit fait en votre faveur. C'est un exemple, mais je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre situation. Allez, on va voir avec The Light Seer's Tarot. Décidément, j'ai un chat dans la gorge. Quels sont les autres messages pour vous, les béliers, lions et sagittaires? Et c'est aussi quand on voit les choses exactement comme elles le sont, ça nous permet aussi de ne plus se faire d'illusions dans une situation donnée aussi. Hein. Alors, nous avons la tour. Ouais, la 6 des... Ouais, il y a quelque chose d'électrique. Là, on vous invite vraiment à partir d'une situation, à vraiment à passer à autre chose. Donc, là, c'est à vous de voir, hein, c'est les messages qui ressortent parce qu'avec cette carte de la tour, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui risque de vous tomber dessus et qui va vous forcer quelque part. Hein, voyez, on voit ce personnage, il est plutôt triste hein, parce que bah voilà, il doit. Alors, c'est peut-être un logement, c'est peut-être une relation, mais justement, c'est aussi prendre en compte ou avoir conscience de que c'est pour un mieux. Un mieux-être par la suite. Alors, je sais, sur le moment, on ne le voit pas comme ça, et c'est tout à fait humain, mais on essaie de relativiser dans ces moments-là au mieux. Et nous, vous voyez, quelque chose... Mais vous avez deux arcanes majeures. Alors, pour vous, les signes de feu, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça va être très fort, parce que là, on parle de mort et renaissance. Donc, vous allez trancher dans le vif, alors, soit dans un domaine de votre vie, c'est-à-dire que là, vous avez peut-être saturé au niveau professionnel, et puis, à partir de votre travail, alors, même s'il y a des règles à respecter, je ne vous encourage pas, mais voilà, vous en avez assez, ou une relation. Mais, comme je vous disais, c'est pour du mieux après. Là, c'est vraiment, on vous invite durant cette semaine à faire table rase de quelque chose qui n'a plus de place dans votre vie. Et vous le savez, je pense, au fond de vous, même si ça peut être douloureux. C'est pour ça qu'on vous invite à voir les choses de manière factuelle, telles qu'elles sont, pour prendre les décisions les plus justes pour vous, même si malheureusement, ça peut vous impacter, il y a des conséquences, etc. Mais là, on vous invite fortement à passer à autre chose pour pouvoir mieux renaître derrière. Hein, c'est comme
la culture, hein, on laisse le terrain en friche, hein, le temps d'eux. Il y a aussi cette notion-là de, comment dire, de vraiment passer à autre chose et puis de se stabiliser à nouveau pour pouvoir renaître. Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein. Vous me direz en commentaire. Ouais, la 4 de coupe, bah, peut-être pour sortir d'une certaine routine, de quelque chose où vous avez l'impression qu'il n'y a pas de solution. Moi, j'ai l'impression que vous étiez enfermé dans quelque chose, même si c'est pas la 8 d'épée, mais qui, comme si vous n'aviez plus de passion, plus d'envie, hein, vous, au tempérament de feu, faut que ça bouge dans votre vie. Moi, j'ai l'impression que là, c'était, ça n'allait plus. Il y a quelque chose qui n'allait plus, vous le savez, et que là, il est temps de passer à l'action. On va voir avec l'oracle, l'intuitif, les autres messages. En tout cas, on a des énergies puissantes qui vous invitent vraiment à déblayer le terrain, si j'ose dire. Alors, c'est une image, hein, mais je pense que vous me comprenez. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Parce qu'avec la tour, là, j'ai l'impression que l'univers aussi se charge de faire le nécessaire, même si sur le coup, ça risque de vous dire, oh là, de vous déstabiliser, ce qui est tout à fait normal. Mais ayez confiance dans le fait que par la suite, ça sera beaucoup mieux pour vous. Alors, on a l'intuition. On a le travail. Alors, ça peut être le domaine professionnel, hein, ou une activité que vous exercez depuis longtemps. Et le message, vous voyez, il y a un appel de l'univers là, hein, pour vous. Et votre intuition cherche à vous parler. Et je l'indiquais tout à l'heure en tendance générale, il y a quelque chose au fond de vous qui demande à émerger. Et peut-être que, bah, effectivement, les aspects concrets de votre vie ne vous permettent pas, dans l'état actuel des choses, de faire le nécessaire. Mais il y a quelque chose qui va vous pousser. Donc moi, j'ai l'impression aussi qu'avec la tour, que l'univers va vous mettre quelque chose, ou vos guides, je dirais, une situation qui va déclencher ce déclic, cette prise de conscience et cette action nécessaire, soit pour vous libérer de quelque chose, soit vraiment pour passer à autre chose, parce que vous savez que c'est au point mort. Et on a le printemps, donc il y a du renouveau derrière, comme la carte de la mort, donc, vous voyez, avec ces jolies fleurs, vraiment très florales. Donc, il y a quelque chose de sympathique derrière. Soyez confiant, même si sur le coup, ça peut paraître, je dirais, difficile. Et c'est vrai que l'inconnu fait peur aussi, hein. Peut-être que derrière, vous dites, mais je vais où là? Je fais comment là? Sur le coup, mais j'ai l'impression que cette semaine, il va y avoir quelque chose qui va vous pousser à agir dans ce sens-là. En tout cas, derrière, les énergies vous rassurent en disant, mais rassure-toi, c'est pour quelque chose de mieux. Allez, on termine avec le petit oracle Easy Love. En tout cas, et soyez à l'écoute de vous-même aussi. C'est ce que me disent ces cartes, parce que entre l'intuition et le message, là, voilà, on est vraiment dans des énergies. Là, c'est bon, je m'écoute, parce que la communication. Ensuite, ah ouais. Le cœur brisé, bon. Il va falloir crever l'abcès dans une relation quelle qu'elle soit. Alors, comme vous le savez, hein, pour celles et ceux qui me suivent, mais pour les nouveaux abonnés, c'est peut-être d'ordre amical, sentimental, mais même au niveau pro, quelque chose qui vous tient à cœur et qui peut vous impacter. Hein. Ouais. Là, j'en ai trop qui ont sauté. Ouais, soyez dans la clarté. Hein. Ouais, c'est vraiment. Il y a quelque chose que vous devez clarifier. Hein. Bah, ouais, pour retrouver un équilibre et l'harmonie. Et on a cette notion de justice. Hein. J'ai pris l'exemple de la justice tout à l'heure. Ouais. Pour retrouver une certaine stabilité, parce que sinon. Et on a la chouette, hein, qui vous invite au détachement, au changement, à la vigilance et à la sagesse. Vous voyez, il y a cette notion de, comment dire, de vraiment de voir les choses clairement, d'être réaliste quant à une situation donnée, pour vous permettre justement de prendre des décisions, je dirais, alors pour vous, radicales, afin de vous sortir d'une phase qui n'a plus sa place dans votre vie. Allez, on va prendre les petits messages perso. Et puis, alors, pour cette semaine, j'ai pris le petit oracle de la numérologie. Et on va commencer par les béliers. Votre message perso du 13 au 19 mars.
La numéro 11, vous voyez? J'écoute mon intuition. Je suis attentif à mes ressentis intuitifs au lieu d'écouter mes peurs, mon mental ou mes émotions. L'intuition est une alliée fiable à 100%. Bon, bah voilà, on a la carte de l'intuition qui est sortie. Donc, vous êtes prévenus, ami Bélier. Pour les lions, votre message perso du 13 au 19 mars prochain. Nous avons 8, la numéro 8. Je crois en ma capacité de réussite. Je défends mon projet avec conviction car je crois en lui. Ou je montre le fruit de mon travail. Je crois en mon succès. Croire en soi, croire dans le fait que vous êtes capable de vous sortir d'une impasse pour aller vers votre réussite. Ça, c'est très important. Et pour nos amis Sagittaires, votre message perso de la semaine. Oups, il y en a beaucoup dans ce jeu. Et nous avons 9. Je fais un bilan sur une situation. Je prends le temps de faire un bilan sur une de mes actions ou sur mon activité, seule ou avec l'aide d'une personne de confiance, pour la faire évoluer. Ou pour passer à autre chose, parce que le 9, hein, c'est vraiment la phase de bilan. Et là, en fonction de votre situation, à vous de voir la suite à donner. Voilà les signes de feu pour vos messages de la semaine qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez une excellente semaine. À bientôt. Coucou les signes de terre. Nous allons voir vos messages de la semaine du 13 au 19 mars prochain en complément de la tendance générale. Donc, pour les taureaux, vierges et capricornes, nous allons voir votre affirmation de la semaine. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Peut-être que vous êtes comme moi, vous attendez les énergies du printemps avec impatience. Au moment où j'enregistre la vidéo, il fait plutôt gris. Je ne sais pas par chez vous. Allez, c'est parti. Nous avons la 10 de coupe qui est reliée à l'aigle marine. J'ai tout ce que je souhaite dans mes relations. On vous invite à apprécier les bonnes relations, j'ai envie de dire les ou la bonne relation. Mais la 10 de coupe, c'est aussi cette forme de douceur, de plénitude avec des gens que vous appréciez ou avec votre famille. Et puis, on a l'as de denier. Donc, il y a quelque chose qui est peut-être mis en lumière. Il y a les prémices aussi d'une nouveauté. On passe du 10 au 1. Donc, peut-être que vous allez repartir sur de nouvelles bases dans une relation à laquelle vous tenez. Donc, qu'elle soit d'ordre amical, sentimental ou autre. Mais il y a cette notion de où les choses vont plutôt bien pour vous cette semaine. Donc, nous allons vérifier ça avec The Light Seer's Tarot. Je ressens de la douceur et de la bienveillance durant cette semaine. Vous êtes plutôt... J'ai cette notion de tranquillité, d'organisation mesurée, parce que avec la tendance générale, on nous parle d'anticipation et de s'organiser. Et vous, j'ai l'impression que vous prenez votre temps et que vous êtes plutôt confiant, confiante. On va voir ça pour les signes de terre du 13 au 19 mars 2023. Alors, nous avons la grande prêtresse. Oui, vous êtes à l'écoute de vous-même. Vous n'hésitez pas aussi à prendre des moments pour vous, pour méditer. La 9 de bâton. D'accord, on a quand même... Alors, il y a peut-être un bilan, mais on vous invite aussi à recentrer vos énergies, peut-être sur vous-même, justement, pour profiter de l'instant présent. C'est ce que je ressens. Et puis, et on a le magicien. Il y a les prémices de quelque chose de nouveau. Vous prenez le temps peut-être d'étudier, de rassembler tous les éléments pour mettre en place quelque chose, une nouvelle routine aussi, ou pour éviter une certaine forme de fatigue ou d'être débordé. Voilà. J'ai l'impression que vous allez vous organiser et vous savez qu'il est important aussi de vous octroyer des moments de calme, de paix, pour vous ressourcer déjà d'une part, pour y voir plus clair, afin d'éviter de trop vous fatiguer dans certaines tâches ou au niveau du travail. On a le magicien qui nous indique que, vous voyez, là, il concentre l'énergie sur sa main et il sait qu'il a tous les éléments en main
pour mettre en place quelque chose. Et j'ai l'impression que vous, justement, vous savez que vous avez tous les éléments, mais que c'est peut-être pas encore le moment durant cette semaine d'agir, ou bien vous allez commencer quelque chose, mais que les choses vont se faire petit à petit. Et on a l'as de bâton. Alors dans ce jeu, l'as de bâton, on voit ce personnage qui a les yeux fermés comme la grande prêtresse, qui est à l'écoute d'elle-même et qui se relie à son troisième œil, mais également à sa vibration intérieure, soit pour trouver des réponses. On est encore dans l'as, donc il y a les prémices de quelque chose. Donc vous faites peut-être un bilan pour voir les choses autrement dans une situation donnée, pour vous organiser autrement, pour réunir tous les éléments nécessaires afin de mettre en place ce qu'il faut dans votre vie, que ce soit dans un domaine spécifique ou dans sa généralité. On va avoir avec l'oracle l'intuitif. Alors vous correspondez à la tendance générale pour éviter justement d'être dans une impasse à un moment donné. Par exemple, vous allez gérer vos finances autrement, vous organiser autrement. Si c'est possible, bien sûr. Allez, pour les signes de terre du 13 au 19 mars prochain. Alors, nous avons toi. Ouais, vous allez vous prioriser, hein. L'intuition. Ah, on a le côté intuitif qui ressort, hein. Et les choix. Ouais, parce que vous savez qu'à un moment donné, vous allez devoir faire un choix. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ce personnage avec ce point d'interrogation, mais justement pour éviter les doutes éventuels, pour être sûr de vous dans ce que vous allez commencer, entamer, par rapport à quelque chose que vous souhaitez peut-être mettre en place, hein, depuis un certain temps. Hein, et on a l'hiver, bon, on est encore dans l'hiver. Ben, j'ai encore cette notion de où vous prenez votre temps. Vous savez qu'il faut passer par une phase d'introspection, de réunir tous les éléments. Donc, c'est il y a un travail intérieur et en même temps, ce travail d'organisation en amont, d'accord, pour ensuite, pour pouvoir le mettre en place avec sérénité, avec confiance, en évitant justement au maximum les aléas. Voilà ce qui me vient à l'esprit. Allez, on va voir avec le petit oracle Easy Love quels sont les autres messages qui vous accompagnent, les signes de terre. Du 13 au 19 mars. Alors, nous avons Lilith, la lune noire, accomplissement, destinée. Ouais, vous voyez les choses avec une certaine profondeur. Vous êtes vraiment dans une semaine où vous êtes à l'écoute de de vos ressentis, de votre intuition, et que vous savez que pour pouvoir mettre en place un projet ou quelque chose, alors on peut parler du domaine aussi relationnel, puisqu'avec l'oracle Easy Love, ça touche plus le domaine relationnel et voire spirituel, mais que pour pouvoir concrétiser ou matérialiser, il faut déjà être aligné avec soi-même. Donc, et je pense que vous faites le nécessaire. La protection, ouais. Il y a une forme de protection. Alors, soit vous vous protégez, soit vous protégez les personnes chères à votre cœur ou à votre relation. Et on a l'homme seul avec enfant. Ok. Ouais, il y a cette notion de foyer. Il y a cette notion. Alors, ça peut me parler du consultant, surtout si vous avez des enfants ou vous désirez avoir des enfants. En tout cas, j'ai l'impression que vous protégez votre cocon familial. On a le soleil. Hein. On a le soleil. Donc, on a le pouvoir, la force, la courage, une certaine détermination à réussir, à cultiver cette sérénité aussi bien pour vous-même et votre entourage proche. Donc, il y a cette notion-là de vraiment où, pour moi, les signes de terre, durant cette semaine, vous êtes en phase, ou en tout cas, vous allez travailler pour être en phase, pour éviter une certaine fatigue. Donc, vous serez vraiment à l'écoute de vous-même, quitte aussi à vous protéger peut-être de certaines énergies extérieures. Voilà, vous êtes pour moi, dans une semaine cocooning plutôt.
Allez, on va prendre votre message perso avec le petit oracle de la numérologie. Et donc, on commence par les taureaux, votre message perso. Du 13 au 19 mars, on a « J'écoute mon intuition ». Je suis attentif à mes ressentis intuitifs au lieu d'écouter mes peurs, mon mental ou mes émotions. L'intuition est une alliée fiable à 100% et je pense que c'est ce que vous allez faire. Hein, c'est en adéquation avec vos énergies. Pour les vierges, votre message perso du 13 au 19 mars. Nous avons le chiffre 6. Je mets du bien-être dans ma vie. Je participe à mettre de l'harmonie, à apaiser, à mettre de la douceur dans mon expression, mes gestes et mes pensées pour les autres comme pour moi-même. Vous voyez, vous allez vous prioriser aussi et ça va se ressentir également dans vos liens aux autres. Et pour les Capricornes, votre message perso de la semaine. Ouh, carrément sauté. Et on a le chiffre 9. Je fais le nécessaire pour conclure une action. Je mets toute mon énergie pour faire aboutir mon projet afin de me sentir heureux, léger, avec le sentiment du devoir accompli. Donc pour vous, amis Capricorne, il va falloir clôturer pour éviter d'être débordé peut-être par la suite afin de vous sentir plus léger et légère. Voilà les signes de terre pour vos messages de la semaine qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez une excellente semaine. À bientôt. Coucou les signes d'air, on se retrouve pour vos messages du 13 au 19 mars prochain en complément de la tendance générale. Donc pour les Gémeaux, Balance et Verseau, nous allons voir quelle est votre affirmation pour cette semaine. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Allez, c'est parti pour les signes d'air. L'affirmation du 13 au 19 mars. Alors, nous avons la 4 de denier qui est reliée à la malachite. J'ai confiance, je suis toujours en sécurité et protégée. Bon, on va vous parler, enfin, l'univers vous invite à garder confiance dans votre stabilité, dans votre fort intérieur, mais également dans votre manière de gérer les aspects concrets de votre vie et notamment l'aspect financier, puisque là, on est avec les deniers. On a la 9 de bâton. Ouais. De recentrer vos énergies sur les aspects essentiels de votre vie. Attention au gaspillage. Donc, cette semaine, on vous invite à ne pas dépenser outre mesure, d'une part, mais également à capitaliser votre vitalité, à essayer de garder la forme au mieux. Alors, c'est vrai qu'avec la tendance générale, on nous invite à nous organiser justement, peut-être pour pas s'éparpiller énergétiquement et avoir une fatigue omniprésente qui vous empêcherait d'aller au bout des choses. D'accord ? Ou de, effectivement, quand on est fatigué, tout ce qui est addictif, on a beaucoup moins de volonté. Voilà, pour garder une certaine volonté et une certaine stabilité. Allez, on va voir avec le Light Source Tarot les autres messages, les signes d'air. Donc, Gémeaux, Balance et Verseau pour la semaine du 13 au 19 mars. Oups. C'est parti. Alors, nous avons le monde. Très bien. Nous avons un bilan plutôt positif. Nous avons le cavalier de bâton. D'accord. Bah, un peps retrouvé, une vitalité retrouvée pour l'instant. Et nous retrouvons la 4 de denier, donc la 4 de pentacle. Alors oui, attention effectivement à des excès de confiance, à des excès de dépenses. Il y a une forme comme ça aussi de plénitude avec la carte du monde où vous vous sentez bien. Puis, du coup, vous êtes moins attentif peut-être, vous allez peut-être sortir, faire la fête. Hein. Là, le cavalier de bâton joue de la musique, hein. on voit ce cheval-là qui cabre. Donc, il y a peut-être attention à...
à, comment dire, à ne pas vous trop vous dépenser ou vous éparpiller. Moi, j'ai plus cette notion-là de vigilance. Ouais, on a le roi de bâton, de maîtriser vos énergies, hein, de faire preuve d'assurance et de confiance aussi dans ce que je ressens pour certains comme une forme d'ascenseur émotionnel. Et vas-y, j'y vais, je fonce, tout va bien. Et puis là, avec cette quête de denier, on a cette notion de retenue, de dire oh là là, attention. Un excès de confiance ou dans le fait que bon, c'est bon, je peux dépenser, j'ai reçu ma prime, tout va bien, puis au final, bah, il y a peut-être des dépenses imprévues. Alors, ça ne veut pas dire que c'est négatif en soi, ça me fait sourire justement, parce qu'on a quand même ce roi de bâton derrière qui nous indique quand même que vous pouvez faire preuve de maîtrise, mais vous risquez durant cette semaine d'avoir une forme d'emballement, parce que bah, peut-être que vous avez réussi à clôturer quelque chose et que du coup, vous voulez fêter ça, tout va bien, etc. Mais attention à la suite. Voilà, je ressens pas quelque chose de grave ou voilà. Avec ce 4 de denier, on est plus dans ce côté. Bon, attention, je gère mes finances correctement. Voilà, je ne dépense pas de manière déraisonnée, tout simplement. Je ressens pas, voilà, des choses qui va vous mettre dans une situation catastrophique. On a juste ce petit rappel de dire, bon, voilà, il faut savoir être mesuré dans ce que l'on entreprend. Allez, avec l'oracle intuitif. Pour les signes d'air, parce que surtout que vous avez deux fois la 4 de denier. Mais il y a cette notion de confiance, c'est-à-dire aussi, moi pour moi, voilà, il y a peut-être un excès de confiance. C'est comme tout, hein, comme tout ce qui est émotionnel, hein, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Donc, restez confiant, certes, mais maîtrisez, on va dire, vos énergies ou vos dépenses. Et avec l'oracle, l'intuitif. Message du 13 au 19 mars pour les signes d'air. Alors nous avons la purification, d'accord. Le magicien. Ouais, alors moi j'ai cette notion de sagesse aussi. Et la concurrence, ouais. Ok, bon là on a d'autres messages. Effectivement, je ressens encore ce côté, attention au côté énergétique. Par exemple, quand... vous réussissez quelque chose, malheureusement, on attire aussi la jalousie, d'accord? Donc il y a cette notion aussi de protection quelque part. Il y a quand même une forme de concurrence avec le magicien. Il y a cette notion aussi de prendre en compte son expérience de vie, parce que le monde aussi, c'est la carte du bilan, et de faire preuve de sagesse dans ce que l'on entreprend, d'avoir vraiment conscience à qui on a affaire, et donc de quelque part de se protéger, hein, avec la purification, effectivement, de nettoyer tout ce qui est énergie négative, bien entendu, mais aussi de se protéger contre une certaine malveillance, peut-être de certaines personnes qui vont profiter peut-être de votre gentillesse ou de votre réussite pour quelque part vous ruiner, entre guillemets, ou vous mettre à mal, hein. On a l'automne, ouais. Oh, elle est très... J'adore cette carte de l'automne dans ce jeu. Mignonne. Ouais, il y a une forme de détachement aussi, de vraiment de laisser derrière soi certaines choses, et en même temps, c'est la saison de la récolte aussi. Donc, moi, j'ai l'impression que vous récoltez aussi le fruit de vos efforts. On vous invite juste à faire preuve de vigilance, parce que peut-être qu'autour de vous, ou d'être attentif. Alors, moi, je parlais de dépenses déraisonnées, mais aussi d'être attentif autour de vous, parce que tout le monde n'est pas forcément bienveillant. Ça veut dire, ah, c'est super, ouais, t'as réussi très très bien. Et puis la personne par derrière, si elle peut vous planter un coup de couteau, elle le fera. Donc pour moi, j'ai plus cette notion de vigilance. Et ça me fait penser à ce roi de bâton, là, vous voyez, qui est sûr, qui est confiant et qui a le sens de l'observation. Vous voyez, il observe et il voit la malveillance. Il dit, attends, attends, mon coco, toi, je te vois arriver. Vous voyez, j'ai cette notion-là. Vous me direz en commentaire. Allez, on va voir avec le petit oracle Easy Love, les autres messages pour vous, les signes d'air. Et je ne sais pas pourquoi je pense aux réseaux sociaux. Par exemple, si vous cartonnez sur les réseaux sociaux, ben là, vous le savez, hein, puis c'est tellement facile derrière un écran. Voilà, c'est un exemple, mais vous voyez de quoi je parle. Il y a un tri aussi avec la carte de l'automne. Il y a un tri aussi qui va se faire ou que vous allez faire.
Nous avons, soyez méfiants, hein, et clairvoyants, voyez avec ce point d'exclamation. Ça. Alors moi, j'ai ce côté-là aussi d'affirmation de soi. Les danseurs, invitation soirée, d'accord? Je vois la suite. Et ouais, les échecs. Vous voyez, c'est ce que je ressentais, c'est attention. Alors peut-être que vous allez beaucoup sortir faire la fête et puis du coup, pour récupérer, ça va être compliqué. Ça, c'est une première chose. Donc effectivement, c'est bien de sortir, de se faire du bien, etc. Cependant, là, attention aussi dans vos fréquentations. Ça on rejoint par rapport à ce que je ressentais précédemment. C'est soyez attentifs. Ne dansez pas avec n'importe qui. Comment dire ? Quand on est heureux et heureuse, on a tendance à crier sur tous les toits parce que bon, on a une belle énergie, c'est normal et c'est tout à fait humain. Cependant, il y a certaines personnes qui veulent éteindre cette fameuse lumière. Hein, ça, je pense que vous avez déjà dû voir ça, dire des choses à ce sujet. Et là, on vous invite vraiment à quelque part à vous recentrer sur vous-même et à effectivement exprimer votre joie, votre bonheur à certaines personnes, mais peut-être pas à tout le monde. Et donc, vous avez... je dirais cette forme de clairvoyance pour voir à qui vous pouvez faire confiance ou pas. Même si certains me diront « Ouais, mais moi, j'avais confiance en telle personne et elle m'a trahi. » Ouais, on a les cachets. Il y a quelque chose, ouais, ne cherchez pas l'affection à l'extérieur. Soyez en phase avec vous-même. Ouais, bon, on a les nouvelles derrière. Ouais, attention aussi à vouloir à tout prix, à plaire à tout le monde. Il y a cette notion-là aussi de vouloir plaire à tout le monde. Bon, c'est humain aussi, on aime, c'est mieux effectivement quand on est apprécié par une majorité de personnes, mais vous savez pertinemment que tout le monde n'est pas sincère en face. Donc soyez en phase avec vous-même, recentrez-vous. On a de belles énergies parce que pour moi, il y a une forme de réussite, mais qui peut attirer la jalousie et du coup vous atteindre. Hein, réduire un petit peu ce côté euphorique. Donc soyez, je dirais, dans une forme de discrétion mesurée et gardez l'œil ouvert pour voir avec qui vous voulez partager les bons moments. Allez, on va prendre vos messages perso, les signes d'air, donc avec l'oracle de la numérologie. Donc on va commencer par les Gémeaux. Votre message perso du 13 au 19 mars prochain. Quand c'est mis en lumière comme ça, c'est que ouais, il y a une certaine forme de vigilance aussi à avoir. Alors, oups, nous avons la numéro 2. J'arrête de douter de moi, de mes capacités. J'arrête de croire que les autres sont meilleurs que moi. Je me tourne vers un proche, un thérapeute qui m'aidera à découvrir ou redécouvrir mes talents. Oui, parce que attention, quand vous êtes dans une réussite aussi, s'il y a des personnes autour de vous qui disent « ouais, mais bon », qui atténuent un petit peu ce moment de réussite, ça peut engendrer des doutes en vous. Avec le magicien, c'est soyez confiant dans votre capacité à maîtriser les différents éléments et à réussir ce que vous entreprenez, malgré peut-être la concurrence. Pour les balances, votre message perso de la semaine. Ah ben non, finalement, voilà. Il y en a beaucoup, donc voilà. Je garde le cap, la numéro 22. Je me rappelle que chacune de mes actions et de mes pensées construit mon avenir. L'ensemble finira par avoir un impact positif. Je crois en mes talents et en ma réalisation. On vous invite à persévérer, Annie Balance, durant cette semaine. Hein. Malgré une concurrence farouche. Allez, et pour nos amis Verseau, votre message perso, je m'affirme, je m'autonomise. Tiens, c'est la numéro 1. J'agis librement et je décide par moi-même, en toute indépendance. Je deviens acteur de ma vie et j'évite d'écouter les avis extérieurs ou d'être passif. Le roi de bâton, c'est quelqu'un d'autonome aussi, hein, qui prend ses décisions par lui-même. Donc, c'est assez intéressant, ami Verseau, pour votre conseil de la semaine. Voilà les signes d'air pour vos messages de la semaine qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez une excellente semaine. À bientôt.
Coucou les signes d'eau, on se retrouve pour vos messages de la semaine en complément de la tendance générale. Donc pour les poissons, cancer et scorpion, nous allons voir quelle est votre affirmation de la semaine. J'espère que vous allez bien. Au moment où j'enregistre la vidéo, il fait gris. Je rebranche mon micro. Voilà, si vous avez entendu des bruits, bah, désolé. Oui, il fait gris au moment où j'enregistre. Oh, ça a carrément sauté. Nous avons l'impératrice qui est reliée à la rhodonite. Je crée naturellement et avec joie tout ce que je souhaite. Très belle carte. Donc, il y a quelque chose, vous avez envie de créer. On vous invite aussi à cultiver l'optimisme pour entreprendre, je dirais, avec une certaine facilité, fluidité et inspiration. Oui, pour créer, entreprendre avec une certaine inspiration cette semaine. On vous invite aussi à l'organisation parce que l'impératrice, elle est organisée, elle maîtrise aussi les différents éléments et elle protège aussi, elle se protège et elle protège, là on voit elle est enceinte, je ne sais pas si vous voyez, voilà là, elle préserve son bien-être, son capital énergétique. On a la 8 de bâton, oui, parce que vous risquez d'être fortement sollicité durant cette semaine, les signes d'eau. Donc, comme avec la tendance générale, on nous invitait à anticiper et à s'organiser, vous serez en plein dedans. On vous invite aussi à garder une certaine maîtrise de vos émotions, de ce que vous allez entreprendre et d'être organisé justement parce que j'ai l'impression qu'il y aura plein de choses à faire durant cette semaine pour vous, les signes d'eau. On va voir avec The Light Tears Tarot pour vous les autres messages pour les signes d'eau du 13 au 19 mars. Ah bah ça y est, j'arrive à la fin et mes cartes ne veulent plus se mélanger. Ça y est, j'ai assez travaillé pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. Message pour les signes d'eau. Alors, nous avons le cavalier de Pentacle qui vous invite à avancer avec confiance et assurance. On a le jugement, d'accord. On a de belles cartes, hein. Ah, on a la 4 de denier. Bon, il y a quelque chose qui... Le jugement, là, on voit en plus, il y a un appel. Alors, vous avez peut-être envie que les choses s'accélèrent, mais vous savez que ça prend du temps. Et avec cette 4 de denier, il y a cette notion aussi de retenue, de ne pas être tenté, par exemple, à trop vous extérioriser. Et c'est vrai qu'avec ce cavalier de Pentacle, on est dans cette notion-là d'avancer doucement, mais sûrement. Mais moi, j'aime bien dans ce jeu, vous voyez, il est pieds nus, il est confiant, il apprécie chaque pas qu'il entreprend. Et avec le jugement, il y a peut-être aussi cette notion de... Comment dire? Il y a peut-être une... Vous avez envie d'être reconnu dans ce que vous faites. Vous avez envie aussi d'exprimer quelque chose, mais vous savez que ça prend du temps. En plus, avec les pentacles, on est vraiment dans la matière. Vous avez envie de créer, hein, l'impératrice prend le temps, c'est le projet en gestation. Mais vous savez qu'il y a plusieurs paliers à franchir. Hein. Par exemple, si on se met à son compte, il y a un dossier administratif à monter, se renseigner, etc. Et puis, avec ce cadre de denier, vous avez peut-être peur aussi d'investir ou de vous investir dans quelque chose inutilement. Il y a cette notion-là aussi d'être un peu... comment dirais-je, de... Ouais, de méfiance. Ah ouais, on a la 4... On a le chiffre 4, on a deux fois le chiffre 4. Il y a une certaine forme aussi de routine, de... ou d'attente, voyez, un petit peu lourde, là, parce que soit vous essayez de trouver des solutions à une problématique ou à une difficulté, soit vous savez ce que vous voulez faire, mais là, dans l'état actuel des choses, c'est compliqué, et hein, parce qu'on a ce jugement, il y a quelque chose en vous, hein, voilà, qui est là, qui appelle à sortir de vous, hein, voyez, elle se transforme en danseuse, elle a envie d'être une danseuse, vous avez envie de quelque chose, mais dans la matière, c'est compliqué à réaliser. Vous voyez, il y a cette notion-là où, bon, c'est pas évident et que, bon, bah, le temps est relatif. Voilà. Donc,
Durant cette semaine, soyez attentif aussi à votre perception du temps. Essayez de l'utiliser à bon escient et de cultiver, je dirais, cette forme de confiance et de dire, bon, ok, je sais, ça prend du temps, mais je ne vais pas être dans cette attente pressante. Au contraire, je vais apprécier chaque instant, d'être dans le moment présent. Ouh, je bafouille, ça y est. Allez, avec l'oracle, l'intuitif, nous allons voir quels sont les autres messages qui vous accompagnent. Les signes d'eau du 13 au 19 mars prochain. Vous avez peut-être peur aussi de vous retrouver dans une impasse. Donc, il y a cette notion aussi de dire, bon, bah là, si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Et c'est pas grave, vous voyez, cette notion aussi de relativiser. Alors, nous avons gratitude, donc on cultive l'optimisme, on prend le temps de se poser, de voir les aspects positifs de sa vie. Nous avons la protection. Bon, rassurez-vous, vous êtes protégé dans ce que vous entreprenez, mais il y a ce côté, je l'évoquais avec l'impératrice, de cocooning, un peu de se protéger et de protéger aussi ce qu'on aime. Mais il y a quelque chose d'intérieur durant cette semaine qui cherche effectivement à s'exprimer. Mais il y a quelque chose qui bloque aussi. Et nous avons les amis, d'accord. Bon, là, c'est plutôt une carte joyeuse. Et nous avons la voyante. Bon, vous allez peut-être faire appel à une voyante, mais également vos perceptions. Ce que je ressens, c'est que là, en plus, avec la protection qui est représentée par un œil, il y a quelque chose en vous, vous ressentez quelque chose, vous voulez mettre en place quelque chose. Cependant, il y a une certaine forme de lenteur ou de réserve parce que concrètement, ce n'est pas évident à matérialiser. Mais avec les amis, vous pouvez peut-être compter sur un réseau autour de vous, sur votre entourage pour vous aider peut-être à prendre de la hauteur. Alors la voyante, il y a... C'est peut-être aussi les conseils de quelqu'un ou un thérapeute, mais également pour voir les choses avec une certaine hauteur, avec un certain recul, afin de trouver les moyens de mettre en place ce que vous souhaitez d'une manière mesurée. C'est-à-dire que là, on vous invite à ne pas vous précipiter, même si vous sentez qu'il y a un appel en vous, il y a quelque chose. Avec la 4 de coupe, hein, on a ce côté-là de... où on est un peu, voilà, on voit pas la, vous voyez, on se focalise que sur les coupes vides, là où elle les voit même pas, elle voit plus rien. Et là, on a cette coupe-là, là, qui est remplie de couleurs et qui appelle, hein, qui dit, mais là, je suis là. Donc, peut-être qu'il y a une solution, comment dire, que vous ne voyez pas de solution sur le moment ou que vous dites, non, c'est pas là. Vous obstinez à prendre une direction alors qu'il y a des solutions. Donc, essayez de vous ouvrir, de communiquer pour voir quelle alternative vous pouvez trouver afin que soit ça avance plus vite ou de retrouver confiance dans le fait que vous avancez sur le bon chemin ou que ça prend la bonne direction. On va voir avec le petit oracle Easy Love pour vous les signes d'eau, les autres messages du 13 au 19 mars. Nous avons la boîte aux lettres nouvelles, d'accord. Vous attendez peut-être des nouvelles, on va voir le reste du jeu. Le bouquet, bah, pour l'instant, sympathique, ouais. Et la justice, d'accord. Bon, on est sûr avec la justice. Mais c'est pareil, j'ai l'impression que vous allez être sollicité aussi hein, durant cette semaine et que vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Donc, ça va finir par arriver si vous attendez une réponse. On a le rival, bon, d'accord. Bon, et on a la toile, reconstruction, d'accord. Ouais, il y a cette notion de patience, de prendre le temps, vous voyez, de monter les fils les uns après les autres pour construire, se reconstruire ou construire quelque chose. Je prends cet exemple-là, vous construisez une maison, mais il y a des retards de travaux, vous, ça vous met dans un état de « oh là là, mais ça finira jamais, est-ce que… » voilà. Voilà, il y a peut-être des doutes qui vont surgir durant cette semaine. Cependant, là, on a cette notion d'équilibre avec la justice, de bonnes nouvelles. Donc, s'il y a une action en justice, elle vous sera favorable. Et là, avec le bouquet, on a cette notion de cadeau. Donc, peut-être des amis qui sont là, qui sont présents,
Pour vous permettre de soit de trouver des solutions ou pour passer le temps entre guillemets, pour pas être dans cette forme d'impatience et pour retrouver une certaine sérénité et confiance dans le fait que ce que vous mettez en place va aboutir, va réussir, même si ça va pas se faire cette semaine, ça se fera peut-être la semaine d'après en fonction du projet qui vous tient à cœur, parce qu'avec l'impératrice c'est quelque chose qu'on a voulu, donc il y a quelque chose, hein, cette notion aussi d'être enceinte, mais là ça va pas concerner tous les signes d'eau, mais voilà, je prends cet exemple là et puis peut-être aussi avec la voyante aussi, c'est faire appel, alors je vais au-delà, hein, de la carte, mais faire appel à une personne compétente dans la matière pour vous permettre soit de débloquer, d'y voir plus clair ou de voir quelle est la stratégie à adopter pour que ça avance, que votre projet ou ce que vous entreprenez avance. Allez, on va prendre votre petit message perso avec l'oracle de la numérologie et on commence par les poissons, par les cancers, pardon. Il passe par les poissons. Par les cancers, et nous avons la numéro 2. J'arrête de douter de moi, de mes capacités. J'arrête de croire que les autres sont meilleurs que moi. Je me tourne vers un proche, un thérapeute qui m'aidera à découvrir ou redécouvrir mes talents. Vous voyez, il y a cette notion de confiance en soi et peut-être de s'aider de son réseau ou de quelqu'un compétent en la matière, comme je le disais. Pour les scorpions, votre message perso de la semaine. Non, là, j'en ai trop. Bah, les scorpions, ça veut parler pour les scorpions. Ah, et maintenant, ça ne veut plus parler. Alors, nous avons la numéro 7. Je me remets en question. Pour éviter une contrariété qui couperait mon élan, je cesse de passer en force. Je réfléchis, voire je lâche prise, pour reconsidérer la situation. Et si la remise en question est déjà présente, je cherche le bénéfice qui se cache derrière. Vous voyez, il y a cette notion aussi de patience et de trouver un juste milieu, hein, avec la carte de la justice. Et on termine par les poissons. Votre message perso de la semaine. Non, là, j'en ai trop, j'en veux qu'une, décidément. Ce jeu veut beaucoup parler. Pour les poissons. Ah, et maintenant. Ah, j'en ai une qui s'est retournée, donc je vais la prendre. La numéro 4, je suis orientée. Construction. Je mets en place des actions qui consolident mes projets pour permettre d'en favoriser la pérennité. Je privilégie le long terme au court terme. Et ça, je ne l'ai pas évoqué parce que ça me parle. Vous avez deux fois le 4. Hein. Effectivement, c'est un très bon conseil qui est valable aussi pour les autres signes d'eau. Hein. Mettez en place des actions qui consolident. Donc, vraiment, avancez avec confiance, assurance, mais consolidez tout ce que vous faites. Voilà les signes d'eau pour vos messages perso de la semaine qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez une excellente semaine. À bientôt.